avec Mariam durant le live. Voilà, on essaie de reproduire la recette. Voilà, votre pâte feuilletée, du chocolat et vous rajoutez votre garniture que vous voulez. Ensuite, vous repliez chaque bord. Vous badigeonnez avec un jaune d'œuf par-dessus et ensuite vous enfournez au four. Voilà, c'est prêt. Il doit être croustillant, croquant et fondant à l'intérieur. Vous pouvez accompagner de glace, vanille, glace, chocolat, cassis, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on a une présentation d'une des participantes, Eve, qui a fait en direct avec nous la recette. Bon, là, c'est un peu mon travail. J'ai laissé cramer un peu, mais bon, c'est pas grave. Mais le goût de ça, c'était juste parfait. Voilà. Franchement, je vous invite à refaire la même recette chez vous. Et raisin que nous avons eu à faire cet après-midi en compagnie de Mariam et de Sarah qui étaient nos invités. Donc, c'est le résultat de cette petite recette que vous pouvez reproduire chez vous, que ce soit en apéro. Ou pour un dessert aussi, ça passe. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est très très fondant, très gourmand. Vous rajoutez de la glace pour accompagner votre feuilleté au chocolat. C'est vraiment un pur délice, quoi. Voilà, après, Sarah nous a partagé une autre recette à beignet soufflé au yaourt. Voilà, le résultat qui était très bon, très, j'imagine. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver la recette en fait sur notre page Instagram ou Facebook. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. Peace.